Donc, je vous le disais, un conseil qui sera marqué par plusieurs points importants. Nous sommes au mois d'octobre, donc en pleine préparation budgétaire, que vous savez qu'Ali de Mondelieu vote son budget avant la fin de l'année, c'est une particularité importante, ce qui nous permet aussi de faire un audit de la situation telle que nous la connaissons. Nous aurons également, en termes de grandes décisions, à renouveler les concessions de plage, dont je salue d'ailleurs plusieurs délégataires actuels que j'ai aperçus et que je tiens à remercier et à saluer pour leur travail tout au long de l'année. Nous aurons à également nous prononcer sur le port de la Rague. Vous savez que le port de la Rague est en régie depuis un an. Il est temps aujourd'hui de relancer des AOT pour une durée importante. Donc là aussi, un travail nécessaire. En termes de lutte contre les inondations, de résilience, nous avons là aussi des délibérations qui sont fondamentales, puisque c'est des nouveaux achats de terrain qui vont nous permettre de réaliser des ouvrages de protection. Et je tiens à vous rappeler que nous avons quasiment finalisé la réalisation de l'ouvrage des Barnières, d'une contenance de 14 000 m3, ouvrage remarquable, le premier de son genre en importance dans le département, qui, en plus, a été réalisé, ce qui est assez unique pour le souligner, en un temps record, 18 mois. Il aurait pu être fait en moins d'un an, malheureusement la procédure réglementaire s'en est mêlée, nous avons perdu une année, mais aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que ce bassin qui protège le centre-ville des inondations type centenale telles que celles que nous avons vécues en 2019 sera achevé dans quelques jours, mais il est dès à présent pleinement opérationnel et jouera naturellement son rôle si nous devions affronter de nouveaux drames. Nous aurons également des décisions d'urbanisme, dont vous le verrez, un permis de démolir qui concernera l'espace Maurice Muller dans le cadre de la rénovation, du renouvellement du bord de mer de Mondelieu, le vaste projet, grand projet que nous allons mener. Donc ce permis de démolir viendra préparer ce terrain et nous aurons bien sûr une programmation structurée, détaillée et nous aurons des bâtiments qui remplaceront celui-ci lorsque nous devrons le mettre à bas puisqu'il est aujourd'hui assez ancien et qu'il nécessite beaucoup trop de travaux pour être remis aux normes. Sur le budget, je vous ferai un point dans le sens où nous avons aussi, vous l'avez vu, pu constater à quel point les décisions qui ont été votées par le gouvernement, qui ont été imposées aux collectivités locales, ont été extrêmement disruptives en termes de finances publiques et locales. Sachez-le, les cadeaux qui ont été faits par la majorité pour les élections présidentielles représentent pour le budget de Mondelieu, en ressources humaines, près d'1,7 million de charges supplémentaires annuelles, sans même parler des recrutements, ce qui porte à une augmentation depuis la mandature précédente, la mandature du président Macron et son renouvellement, à plus de 3 millions d'euros par an, la charge masse salariale supplémentaire uniquement en revalorisation d'indices et autres évolutions purement administratives, sans aucun recrutement. Nous avons également à faire face à une explosion des coûts de l'énergie, mais explosion du coût de l'énergie maîtrisée, puisqu'elle représentera tout de même plus de 700 000 euros annuels pour les finances de la ville. Mais je tiens à saluer le travail des équipes et des élus, puisque nous avons eu l'opportunité, l'instinct et j'aurais dit le bon sens de renégocier nos prix d'énergie avant l'emballement que nous avons pu constater au cours des derniers mois. Ce qui veut dire que la ville de Mondelieu est encore très préservée de la hausse, même si elle représente près de 700 000 euros, presque 800 000, parce que nous avons eu cette bonne gestion de renégocier nos prix d'énergie au bon moment. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faudra néanmoins faire des efforts. Malheureusement, en termes de finances, les économies que nous pouvons faire sur des gestes que nous dirons emblématiques, tels que l'extinction de l'éclairage public, reste résiduelle, puisque l'extinction ne rapporterait aux finances qu'à peu près 80 000 euros par an, ce qui, compte tenu du budget de près de 3 millions, est assez résiduel. Mais néanmoins, ce sera symbolique et ce sera des économies de consommation d'énergie, puisque aujourd'hui, vous l'avez compris, en France, la situation est d'autant plus dramatique que les réacteurs nucléaires, qui étaient le symbole de l'indépendance et de la puissance française, ont été mis à l'abandon pendant plus de 40 années par les différents gouvernements successifs, non pas par vision, non pas par choix, mais uniquement par lâcheté politique, puisque ce que nous avons aujourd'hui en termes d'infrastructure énergétique était dû à la vision du général de Gaulle, à l'action de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Tous les successeurs, sans exception, ont bradé l'énergie nucléaire française,
avec un emballement à le faire qui a été sans précédent depuis les toutes dernières années, c'est-à-dire sous la présidence de François Hollande et d'Emmanuel Macron. J'ai associé Emmanuel Macron avec François Hollande puisque c'était son ministre et son conseiller à l'Élysée avant cela, et que eux, non seulement en comptant de fermer des centrales telles que Fessenheim, qui étaient en parfait état de marche et qui avaient été, sachez-le, renouvelées à très grands frais par EDF, c'est-à-dire qu'ils ont démantelé une centrale qui était presque neuve et qui pouvait encore durer près de 30 ans, eh bien, ils ont bradé la filière des turbines d'Alstom aux États-Unis, aux Américains, et aujourd'hui, alors qu'ils surendettent EDF pour faire un bouclier artificiel de protection des consommateurs, qui est en train de ruiner EDF, que l'État va renationaliser pour combler le gouffre abyssal des dettes qu'il est en train de créer, de 30 milliards d'euros, ce qui va aussi peser sur la capacité d'EDF à réinvestir, alors que les réacteurs qui ont été aussi abandonnés, puisqu'il fallait les démanteler, rappelez-vous le discours du président de la République, il y a 4 ans, qui nous annonçait le démantèlement complet de près de 20 réacteurs, n'ont pas été entretenus, que les filières de professions qui étaient nécessaires à la construction de nouveaux réacteurs ont été totalement démantelées, et bien aujourd'hui, tout cela, non seulement fait que nous ne sommes pas en capacité d'en reconstruire, nous ne sommes même plus en capacité de les entretenir. Aujourd'hui, sachez que nous sommes en train de faire venir des travailleurs, là encore de l'étranger, et notamment des États-Unis, pour essayer de finir les travaux de soudure des réacteurs, parce que nous n'avons plus la compétence pour le faire en France, que nous allons, avec EDF renationaliser, racheter la filière électrique des turbines d'Alstom que nous avons vendues il y a 4 ans aux Américains, mais cette fois-ci sans les brevets, et que nous allons sûrement la racheter plus cher. Donc je vous laisse là aussi mesurer l'intelligence de cette opération en termes de vision stratégique et de préservation des finances publiques. Bref, tout ça pour vous dire que la production électrique française sera cet hiver extrêmement tendue et que si jamais nous devions affronter une crise climatique et des températures très basses, de toute évidence, nous aurons beaucoup de mal à franchir le cap, et que déjà des centrales à charbon ont été rallumées. Là aussi, je voulais savourer cette géniale conception portée par les partis écologiques, notamment allemands, qui visent pour réduire les émissions de CO2 à fermer les centrales nucléaires, pour faire marcher des centrales à charbon ou brûler du gaz russe. Vous voyez un petit peu où ça nous a mené, tout ça uniquement par facilité, par crainte, par peur, par lâcheté, par incompétence. La France, leader mondial de l'énergie atomique civile il y a 40 ans, aujourd'hui est un pays de seconde zone qui n'est plus capable d'être indépendante, qui doit relancer des constructions massives, mais une reconstruction de centrales dans l'état actuel ne prendra pas quelques années, elle prendra plusieurs décennies. Et ça, malheureusement, c'est la réalité qu'aujourd'hui, on nous emballe dans beaucoup de papiers cadeaux, avec beaucoup de tact et de sucre, mais ce n'est pas ce qui permettra aux foyers, aux entreprises et aux collectivités de passer l'hiver. Et comme les collectivités locales ne sont éligibles ni au bouclier de protection du gouvernement, ni aux aides, eh bien nous payons, à travers toute la France, plein pot, ces décisions. Et tout cela doit être corrélé à un pillage en règle de nos ressources budgétaires, entre la suppression de la taxe d'habitation qui n'évolue plus selon les indices, entre la volonté du gouvernement actuel de contrôler les dépenses des collectivités pour les mettre sous tutelle, le mot n'est pas trop faible, je vous annonce qu'il y a une fronde aujourd'hui générale de toutes les collectivités, tous partis confondus, des élus locaux contre ces décisions, qui marquent un pas de plus vers une recentralisation extrême de notre pays, ce qui est déplorable. Voilà aujourd'hui ce contexte extrêmement difficile qui est celui dans lequel nous devons évoluer. Heureusement, la ville de Mandelieu a des finances solides qui sont dues à des efforts de gestion permanents depuis des années avec des contrôles de nos dépenses, avec une volonté de toujours être rigide sur la dépense pour être fort et puissant sur l'investissement, car c'est l'investissement qui fait vivre un territoire. C'est pour ça que nous avons lancé des grands projets à travers toute la ville et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aurons un levier, un travail à faire de programmation de nos investissements pour absorber ces explosions de fonctionnement qu'on nous impose et qui vont devoir imposer une nouvelle réflexion profonde sur ce qu'est la collectivité locale pour ne pas, demain, être totalement consumé par ces frais qui augmentent et voir notre capacité d'investissement détruite. Sachez que depuis le début du mandat, nous avons investi déjà près de 50 millions d'euros, que notre objectif d'ici la fin du mandat, c'est d'investir 100 millions d'euros supplémentaires, ce qui voudra dire que cette mandature aura vu un investissement global de 150 millions d'euros, ce qui est sans précédent.
tout ça sur des projets concrets pour renforcer notre activité, notre sécurité, pour un territoire toujours plus préservé, protégé, familial, que nous aimons, que nous préservons. C'est ça qui est Mandelieu, c'est ça que restera Mandelieu, et nous nous battrons pour elle, car c'est notre mission.